que vous allez bien et dans cette vidéo, on va réaliser un cœur d'amitié cookie. Alors, le matériel. Il vous faut de la Fimo chocolat numéro 75, de la couleur champagne numéro 2, une brosse à dents, de l'aluminium, un dotting tool ou alors un pinceau usé, une lame, un rouleau, une lame crantée, un pinceau, des pastels secs et pour finir, des pitons. Commencez par faire une boule de champagne et aplatissez-la pour faire un petit dôme, comme vous voyez à l'image, et découpez un peu pour faire un cœur, mais où les bouts sont pas ronds, mais je commence à le former et je fais comme je souhaite. Donc, à vous de jouer. Ensuite, je viens prendre mon aluminium et texturer un peu le tout. Ensuite, après l'aluminium, je prends ma brosse à dents et vous verrez que ça texture beaucoup mieux. Soit vous prenez de la couleur chocolat et vous l'incrustez dedans, ou alors vous faites un colombin que vous mettez 10 minutes au four à 110 degrés et que vous découpez en forme pas égale. Et c'est ce que j'ai fait et ça rend un meilleur résultat. Donc là je les rentre dans la pâte. Et voilà. Ensuite je viens prendre mes pastels secs et je colore et vous verrez ça donne un air vraiment très croustillant. Alors comme moi j'adore quand c'est bien cuit, et bien là je l'ai bien fait cuire et après je fais quand même le derrière car si ça se retourne et bien ce sera quand même beau derrière. Je vais prendre ma lame crantée et couper au milieu. Je viens planter les pitons bien en tournant pour pas déformer la création. Et je vérifie que ça s'emboîte toujours. Ensuite, je viens texturer la partie coupée, donc comme vous le voyez là. Et après, je colore pour les deux côtés. Et voilà, ça donne un résultat très beau. Ça donne envie de le manger. Ensuite, j'ajoute de la chantilly faite maison. Si vous voulez, je vous ferai un tuto, mettez-le moi en commentaire. J'en mets un tout petit peu, vous voyez que c'est un peu dur à manier. Donc j'enlève et je vais refaire. Et c'est déjà la fin de ce tuto, il était fantastique, très fin et... 30 minutes au four à 110 degrés et voilà le résultat. J'espère que ce tuto vous aura plu et à une prochaine vidéo. Ciao.